ça une université parce qu'on a envie que les gens travaillent ensemble. Dans la démarche prospective, le travail critique sur les idées reçues, c'est extrêmement important. Donc, démonter quelques idées reçues, ça pourrait être très intéressant. J'ai assisté à des ateliers où le retour d'expérience des associations est intéressant. C'est toujours intéressant de partager l'expérience, mais je suis frappé du fait qu'il y a des animateurs, des responsables d'associations qui, en plus d'avoir du sens pratique, d'avoir un projet local et de mener à bien leur projet, ont une capacité de réflexion stratégique. Et c'était ça l'intérêt des ateliers. On peut essayer de tirer les fils et de voir voilà, là où ça fonctionne et ça marche. Et peut-être qu'on peut utiliser de cette façon-là. Et puis il y a d'autres endroits où ils ont voulu développer et puis ça n'a pas marché. Bah, peut-être que ça ne sert à rien qu'on essaye de le tenter parce que ça ne fonctionnera pas. Tous ces ateliers qui ont été des lieux d'échange, essayer de donner aux gens un aperçu de ce qui s'est dit au sein de ces lieux d'échange pour bien montrer qu'en fait la réflexion était partagée et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont contribué. Même si cette jeunesse était dans un contexte différent de celui de la génération précédente, elle gardait beaucoup de choses en commun avec, et notamment une envie d'engagement. Voilà, on est vraiment sur la prospective, on n'est pas sur le quotidien, on essaye d'aller voir un petit peu dans les 5-10 ans qui viennent. Et du coup, c'est un peu rafraîchissant parce que ça nous oblige à décoller un peu de ce quotidien. Et c'est bien que ça puisse venir d'acteurs comme la Fonda, qu'on s'éclaire un peu tous mutuellement les uns les autres. Les associations, c'est 15 millions de bénévoles. Il y a une compréhension de la société dans laquelle ils vivent, il y a une compréhension de leur territoire, il y a une capacité à fabriquer des alliances, à rechercher des partenaires pour monter des choses. Et ça, multiplié par 15 millions sur l'ensemble de territoires, ça peut donner confiance au pays.